c'est Mister Yellow et je vous présente ce Chronicle spécial Reservoir Dogs, le film culte de Quentin Tarantino. Allez, c'est parti! Quentin Tarantino écrit le scénario de Reservoir Dogs en 3 semaines et demie, alors qu'il est employé au Video Archives, un vidéoclub de Manhattan Beach, Californie, et a l'intention d'en faire un film amateur en format 16 mm, avec un budget de 50 000 $, somme que lui a rapporté la vente du scénario de True Romance, et la participation de ses amis, dont Lawrence Bender, qui doit jouer le rôle d'Eddie Cabot. Bender, qui suit des cours d'art dramatique, fait lire le script à son professeur, lui disant que son rêve serait d'avoir Harvey Keitel pour jouer l'un des personnages principaux. Le professeur de Bender envoie le script à sa femme, l'actrice Lily Parker, qui connaît Keitel. Elle le lui transmet à son tour et l'acteur, emballé par le scénario, contacte Bender et Tarantino pour leur dire qu'il accepte de jouer dans le film et de le coproduire. Grâce à son aide, Tarantino et Bender parviennent à convaincre Monte Hellman, qui envisage de réaliser le film mais s'incline devant la volonté de Quentin Tarantino de le faire lui-même, et Richard Glenstein de Live America Inc. de participer à la production et réunissent ainsi 1 500 000 $ pour produire le film. L'origine du titre du film proviendrait d'une mauvaise prononciation de « Au revoir les enfants » quand Tarantino travaillait au vidéoclub, mais le réalisateur a toujours laissé planer le doute sur sa véritable provenance, s'amusant d'ailleurs au moment de la sortie du film à lui inventer comme une origine une expression d'argot imaginaire des films de gangsters de Jean-Luc Godard et Jean-Pierre Melville. Le casting se fait autour de Keitel, qui se réserve le rôle de Mr. White, et Tarantino se met à la recherche des acteurs pouvant être le plus en osmose avec lui, tout en ayant des styles différents. Le réalisateur compte à l'origine jouer le rôle de Mr. Pink avant de le laisser à Steve Buscemi, sachant que celui-ci serait parfait dans le rôle et de se rabattre sur celui de Mr. Brown. Il n'hésite cependant pas à mettre la pression sur Buscemi avant que celui-ci auditionne, lui disant qu'il faudra qu'il donne vraiment le meilleur de lui-même pour obtenir son rôle. Lors de l'audition finale de Monsieur Blonde, plusieurs candidats sont en lice et Michael Madsen, qui passe en dernier, n'auditionne pas sur la scène prévue, celle de la torture, qu'il n'a pas préparée mais est néanmoins engagé pour sa prestation jugée magistrale par Tarantino dans une scène différente. Le rôle de Monsieur Orange intéresse beaucoup moins d'acteurs et l'agent de James Woods ne daigne même pas faire part à l'acteur de l'offre pour le rôle en raison du cachet proposé, bien inférieur à ceux qu'il touche habituellement. Tarantino et Keitel tentent alors de convaincre Tim Ross de leur faire une lecture pour le rôle, mais Ross, bien qu'intéressé par le personnage, refuse d'auditionner car il déteste cela. Il se lance cependant dans une conversation avec Tarantino qui se poursuit dans un bar autour de nombreuses bières. Les deux hommes finissent par être ivres et Ross accepte alors de faire sa lecture et décroche le rôle. Laurence Tierney, connu pour ses rôles de méchant dans les années 40 et 50, est engagé pour celui de Joe Cabot, et Chris Penn est choisi ensuite pour interpréter son fils. C'est Penn qui propose à Tarantino de compléter le groupe avec Edward Bunker, qui a passé 18 ans en prison avant d'écrire des romans noirs, qui ont connu le succès. Lawrence Bender fait un caméo dans le film dans le rôle d'un policier. Hé, hey, reviens ici, espèce de petit enculé! Aïe! Oh, putain! Rends-moi les bijoux! Certainement pas, Mr. Pink! Bougez pas! Police!